Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser le porte-bébé 4 positions 360 dans la position frontale avec le coussin bébé. Vous devrez utiliser le coussin bébé pour porter bébé depuis la naissance jusqu'à environ 4 mois. Camille et la petite Léa vont maintenant vous montrer comment installer le porte-bébé en position frontale avec le coussin bébé. C'est parti! Le porte-bébé est doté d'une nouvelle ceinture Velcro qui le rend facilement ajustable et convient à tous les porteurs. Faites glisser la ceinture autour de vous et assurez-vous que la moitié au moins du Velcro est couvert pour des raisons de sécurité. Fixez et serrez la sangle de sécurité. L'assise préformée maintient le bébé en position ergonomique. Utilisez les boutons extérieurs noirs pour élargir l'assise et la rendre plus confortable. Retroussez la partie supérieure, desserrez les deux bretelles et centrez le dos. Vous êtes prêt pour installer bébé. Prenez votre enfant, asseyez-vous et placez le coussin bébé sur vos jambes afin de créer une surface plane. Allongez doucement bébé sur le coussin en plaçant ses fesses sur la partie amovible. Puis fermez la sangle. Maintenez le porte-bébé d'une main placée au milieu du dos en tenant votre bébé dans le coussin de l'autre main. Assurez-vous que ses jambes soient bien placées en position ergonomique. Passez votre main entre le porte-bébé et le coussin bébé pour vous assurer qu'il est bien centré au fond de l'assise préformée. Remontez la première bretelle, puis la deuxième. Enfin, attachez la tache bretelle, puis resserrez-la. Ajustez les bretelles l'une après l'autre, puis les deux en même temps, jusqu'à vous sentir parfaitement à l'aise. Assurez-vous que les deux sangles soient de la même longueur. Pour un support de la tête et du cou, repliez le haut du coussin bébé. Calez-le entre les bretelles et le dos du porte-bébé pour le maintenir en place. Boutonnez si besoin l'appui-tête pour un soutien supplémentaire. Maintenant, assurez-vous que l'assise préformée est bien ajustée. Bébé est bien maintenu en position ergonomique. Ses voies respiratoires sont dégagées. La tache bretelle est bien positionnée au milieu de vos omoplates. Vous êtes prêt! Pour retirer bébé, desserrez les bretelles tout en maintenant le dos du porte-bébé. Puis, détachez la tache bretelle. Retirez la première bretelle, prenez votre enfant dans le coussin bébé. Le porte-bébé tombe alors sur vos hanches.
placé bébé dans un endroit sûr, vous avez terminé.